On enlève la culotte de cet après-midi. On enlève la culotte sale. Oui. Sans vouloir. Bah oui. De manquer de respect, la culotte était un tout petit peu sale. Voilà. On a Betty qui m'appelle, qui est juste là. Donc, si vous entendez une petite voix qui appelle, c'est Madame Betty. On est parti, Monsieur Turbo. Vas-y, on va voir. Attendez, Monsieur Turbo. On y va. Sous sa petite arrière, voilà. Monsieur Turbo, un petit commentaire? Non. Non. Et alors, on va prendre une petite serviette. Et on va sécher le popotin. Oui. En dessous. Alors là, il met. En plus, il a sa petite jambe. Voilà. Voilà. Hop. Donc, comme il est paralysé et incontinent, urinaire et fécale. Donc, une fois que vous avez bien séché les fesses, ici on vient mettre de la vénaline. Attends, c'est toujours la barbe à la tête, mon amour. Voilà. Je vais sous mon bras. On a compris. Mettez une bonne couche de crème. Entrez les petites patounes aussi, c'est très important. Là, dans ce moment. On passe la queue. On remonte la couche. Hop. On reprend la couche. Hop. On vient prendre des compresses, des petits cotons. On vient mettre à l'intérieur pour absorber le petit pipi. Un petit peu de talc. Hop, on secoue. Et là, on vient fermer un coton de compresse. On vient, hop, scratcher. On remonte bien, qu'il soit très bien installé dedans. Voilà, une fois que vous avez fermé la couche, on prend une bande, on l'étire. D'accord. On fait un petit tour comme ça. Et on peut passer avec toujours ce que je dis, deux produits en croix. Ah, vous n'êtes pas obligé de faire un X complet, vous pouvez faire juste une partie de laine, ça tiendra. Pour le moment de la vie, est-ce que tu penses que tu es bien installé? Donc la turbo, ben, il est plutôt content. Je pense que ça lui plaît. Ouais. Oh, tu cœur. Voilà, un petit bout de chute changé.